Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les compléments à 10. Donc ça, très important. Et il va falloir essayer d'apprendre les, toutes les additions, en fait, qui font 10. Alors, pour commencer, on vous demande 6 plus quelque chose, ça doit faire 10. C'est-à-dire que j'ai 6, par exemple, 6. Rond, 6 points. Combien je dois en ajouter pour à la fin en avoir 10 Donc par exemple ici, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, 5 plus 5, 10. Donc à chaque fois ici, j'ai une ligne de 10 ronds. Je commence, on vous dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 ronds. Combien 6 points Combien m'en manque-t-il hein, Combien je dois en rajouter pour en avoir 10 Eh bien, regardez, 6, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dû en rajouter 4. D'accord Donc 6 plus 4 égale 10. Ça, c'est une addition à savoir. Pareil, si j'ai regardé 10 ronds au total, moins les 6 ici, eh bien il va m'en rester 4. 10 moins 6 égale 4. On va continuer. Ici, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, j'ai 7 points. Combien je dois en rajouter pour en avoir 10 Eh bien, il faut que j'en rajoute 3. Là, j'en ai déjà 7, 8, 9, 10. J'en rajoute bien 3. 7 plus 3 égale 10. Alors, 10, tous ces points-là, moins... 7, eh bien, ça fait 3. Je continue. Donc, 7 plus 3, c'est aussi donc une addition qui fait 10. 8 plus quelque chose, ça doit faire 10. J'ai 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien je dois en rajouter pour en avoir 10, et eh bien je dois en rajouter 2. 1, 8, 9, 10. Je dois en rajouter 2. 8 plus 2 égale 10. Donc 10 moins 8, 10 moins les oui rouges, il reste bien 2. Je continue. 5 points plus combien est égal à 10? Là en fait je vais avoir un double. Regardez 5, 1. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. Combien je dois en rajouter pour en avoir 10 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien rajouté 1, 2, 3, 4, 5. Et j'obtiens notre double qu'on connaît bien. 5 plus 5 égale 10. Donc 10. Tous ces points-là, moins les 5 rouges, ça fait bien. Il reste bien 5 bleus. Je continue. J'ai 3 points. 1, 2, 3. Combien je dois en rajouter pour aller jusqu'à 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 7 égale 10. Regardez. Ici, j'avais 7 plus 3 égale 10. On les revoit. Donc 10 moins les 3 rouges, ça fait bien 7. On continue. J'ai 9 plus. Donc j'ai 9 points rouges. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien je dois en rajouter pour avoir 10 points, et eh bien je dois en rajouter un. 9 plus 1 égale 10, donc 10 moins 9. Hein, tous ces points là moins les 9 rouges, il me reste un point. Je continue, j'ai deux points rouges. Combien dois-je en rajouter pour avoir 10 points 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte ce que j'ai rajouté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 plus 8 égale 10. Donc 10 moins 2 égale 8. Et regardez ici, j'avais aussi 8 plus 2 égale 10. C'est pareil que 2 plus 8 égale 10. D'accord Maintenant ici j'ai 4. 4 points rouges, je vais les dessiner. 1, 2, 3, 4. Combien je dois en rajouter pour aller jusqu'à 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai rajouté 6. 4 plus 6 égale 10, donc 10 moins 4. Hein. Tous mes 10 moins les 4 rouges, ça fait bien 6. Et regardez encore, 4 plus 6 égale 10. J'avais la même addition ici. 6 plus 4. Hein. Quand on a une addition, on peut, on peut inverser les termes, les nombres. Alors pour une soustraction, surtout pas. Voilà notre premier exercice. Donc en fait, tous ces résultats ici, toutes ces additions qui font 10, eh bien il faut les savoir par cœur parce qu'elles servent beaucoup en calcul. Nous avons un exercice ici. Oula, je fais trembler, je fais trembler un peu tout. Alors ici, je veux avoir 10 euros. Hein, je veux avoir de 10 euros. Là, j'en ai 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, regardez, j'ai 6 euros. Pour aller jusqu'à 10, soit on se rappelle, par exemple, en haut, on peut regarder 6 plus 4. Ou soit, ben, j'ai 6, je rajoute 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 4 euros. Il faut rajouter 4 euros. 6 plus 4. Ici, j'ai 5 plus 2, 7 euros. On doit prendre par cœur les compléments 7 plus 3. Donc, il me faudrait m'ajouter 3 euros. J'ai 7, 8. 9, 10, j'ai bien 10 euros. Ça fait bien 3 euros. Et dernier, 1, 2, 3, 4. J'ai ici 4 euros. Et ça ressemble en fait à l'exercice du début. Quand j'ai 4 euros, pour en avoir 10, je dois rajouter 6 euros. 4, il faut rajouter, bah tiens, 6 euros. Bon, je ne fais pas avec le billet, mais ça serait encore mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros. Ça me fait bien 6 euros. 6 plus 4 égale 10. 7 plus 3 égale 10. 4 plus 6 égale 10. Voici. Donc, notre exercice. Donc, apprenez bien les compléments à 10.